J'espère. Ça sent divinement bon quand on l'ouvre.
chaque jour pour aller avec, il y a une petite carte qui explique le thé qui est à l'intérieur de la pochette, ainsi que des petites phrases d'inspiration pour avoir une bonne journée. Je trouve que c'est quelque chose de très positif et j'aime beaucoup le côté recyclable, réutilisable, etc. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ce calendrier de l'Avent. Je ne sais pas où positionner le calendrier de l'Avent Plissime parce qu'il est vraiment gros. Je ne sais pas trop, je vous avoue, je vais déjà l'ouvrir un peu, comme ceci. J'aime vraiment beaucoup la texture de la boîte. Voilà, je l'ai mis là dans le fond, on va voir si ça fonctionne, sinon je le déplacerai. Comme l'année passée, on a une petite carte avec tous les produits inscrits dessus. Personnellement, je sais déjà ce qu'il y a dans le calendrier. Jour numéro 3.
moustache, longue tenue, léger comme l'air. Fenty, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Ça me fait très plaisir de recevoir un produit pareil dans un calendrier de l'Avent. Plus la teinte a l'air vraiment magnifique. Un stick enluminateur divin avec une formule longue tenue légère et scintillante, illuminée et réchauffée. Accessory for soft and
recherchée grâce à cet accessoire magique à vous les lèvres parfaites et lisses. J'ai hâte de voir ça. Numéro 7. Aussi très léger. Ah, c'est une marque que j'adore. De chez Olution, le Light Up Sérum Unifiant Illuminateur unifie le teint et ravive l'éclat. Olution, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. J'adore leur gel nettoyant pour la peau. Je l'utilise tous les jours et c'est vraiment mon gel nettoyant préféré. Donc j'ai hâte de tester autre chose de cette marque. Grâce à sa richesse en actifs végétaux bio, ce sérum green unifie le teint et atténue les taches d'hyperpigmentation, quelle que soit leur cause. Exactement ce dont j'ai besoin. J'ai souvent beaucoup de rougeur, donc je dis oui, je dis oui. Blissime, tu me connais très bien. Jour numéro
splendide.
la cuisine. Je ne sais pas ce qu'on peut me dire de plus sur ce petit produit. Il est de l'autre côté de la feuille, bien sûr. E-cooking, voilà. La Dream Crème. La Dream Cream de jour aux actifs naturels. Elle offre une hydratation longue durée à votre peau et prévient des premiers signes. Gel douche apaisant, nettoie, adoucit, équilibre. De nouveau un gel douche, mais d'une marque que j'aime vraiment beaucoup, donc ça ne me dérange pas. Conçu pour nettoyer en délicatesse toutes les peaux, même sensibles, ce gel corps doux a été formulé sans aucun sulfate pour respecter votre épiderme et la planète. Très sympa, et c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, donc je suis super contente. Par contre, il y a des travaux qui commencent dans ma rue, et ça, je suis pas contente. Du tout. Mais il nous reste 10 jours à ouvrir. Jour numéro 15. C'est un produit d'une marque que je n'ai jamais testée. Mais que je reconnais tout de suite, c'est la marque First Aid Beauty. Et c'est le nettoyant pour le visage avec stimulant antioxydant FAB. Élimine l'excès de sébum, les résidus de maquillage, la saleté et la crasse. Convient aux peaux sensibles. C'est une marque qui est très tendance en ce moment sur YouTube. Je ne l'ai jamais testée. C'est mon premier produit de chez eux. Et c'est vrai que j'étais très curieuse et j'avais très envie de voir ce qui se cachait derrière First Aid Beauty. Nettoyant 2 en 1 pour le visage. Tout et sans parfum. Ce nettoyant 2 en 1 élimine maquillage et impureté en un seul geste. Sa formule unique calme les peaux irritées et sensibles et l'aide à retrouver douceur et souplesse. Très sympa, j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Et les nettoyants pour le visage, c'est quelque chose que j'adore. Jour numéro 16. Un petit produit, il me semble, de la marque Ren Skincare, qui est une marque aussi que j'ai très envie de tester. C'est la gelée clean huile nettoyante. Retire maquillage, pollution et crème solaire. Parfait. Je ne demande rien de plus. C'est tout ce que je veux dans un produit. Plus la couleur est adorable. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Le voici. Cette gelée vegan mêle douceur et efficacité. Elle élimine le maquillage waterproof, les traces de pollution et la crème solaire. Parfait. Écoutez, c'est le genre de produit que j'adore, surtout sous forme de gelée. J'adore les produits pour le visage sous forme de gelée, tout ce qui est nettoyant, etc. Donc pour moi, c'est un 10 sur 10. Le numéro 17. J'ai un peu l'impression d'être au bingo parfois. Rincez bien votre bouche et souriez. Sain pour vos dents et pour la planète. Écoutez, c'est très sympa ce genre de petit produit. J'avoue que quand j'étais jeune, j'avais testé un produit similaire de chez Lush et j'avais détesté parce que le goût que j'avais était absolument horrible. C'était un goût floral et pour moi les goûts floraux, ça n'a rien à faire dans un dentifrice en fait. Donc ici, t'as les avoir sous goût menthe. C'est probablement quelque chose que j'apprécierais beaucoup.
Et c'est vrai que ça, en festival, c'est super pratique parce que t'as pas toujours accès à autant d'eau que tu voudrais. Ces pastilles à croquer sont aussi efficaces qu'un dentifrice classique. Elles sont formulées à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan et faites en France. Très sympa, c'est hyper original, je trouve, en tous les cas. Et c'est un plaisir de retrouver ça dans le calendrier. Numéro 18, je vais un peu me dépêcher, je suis désolée, mais je dois absolument y aller après. Donc le jour 18, c'est de chez Garancia, je le reconnais tout de suite. De chez Garancia, le bal masqué des sorciers, masque high-tech, nourrissant, apaisant, préventif, beurre, gel, frais, fondant. Garancia, c'est pas une marque que j'apprécie énormément, mais je sais que Blissimis adore mettre des produits Garancia, donc pourquoi pas. Ce masque magique nourrit et apaise la peau. Irritations, picotements et rougeurs sont visiblement diminués. Des rougeurs en ce moment, j'en ai vachement beaucoup parce que j'ai pas pris soin de ma peau pendant un certain temps. Et c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de masques dans ce calendrier. Donc je suis contente d'en avoir un maintenant. Alors, le 19, je sais déjà ce que c'est et je suis hyper heureuse. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce calendrier. Parce que il faut savoir que moi, pour étaler tout ce qui est masque, etc., j'utilise un vrai pinceau pour faire de la peinture, mais qui n'est utilisé que pour mes masques. Mais du coup, ici, d'avoir une spatule sous forme de gel, comme ceci, pour appliquer mes masques et mes soins, je trouve ça beaucoup trop cool. Et je suis vraiment hyper contente d'en avoir une. J'ai aucune idée de la marque, par contre. Chaleur. Très 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 cool. Par contre, beaucoup moins cool, c'est insupportable.
ce son là maintenant. Donc je suis vraiment désolée. J'espère que ça ne va pas réveiller ceux qui sont déjà endormis, endormis. Avant dernier, la case numéro 23. Ah, c'est une marque que j'adore. Algologie, une de mes marques préférées. C'est l'élixir du rivage, un booster liftant et tenseur. Appliquez quelques gouttes avant la crème de soin. Donc c'est un sérum. Algologie, c'est vraiment une de mes marques préférées, mais malheureusement, ils ne livrent pas en Belgique sur le site de Blissim. Je ne sais pas pourquoi et ça m'énerve beaucoup parce que j'avais très envie d'utiliser mes points pour acheter leurs produits. Mais bon, on fait avec. Véritable soin ciblé contre le relâchement cutané. Il redonne à la peau une apparence plus lisse grâce à sa texture liftante. Ça, j'ai hâte, j'ai hyper hâte. Ça sent super bon, même au travers du produit. Algologie, c'est vraiment une marque que j'ai fortement, très haut dans mon cœur, même si cette phrase ne veut rien dire. Ça veut dire que je l'apprécie vraiment beaucoup. Nous voici, nous voilà, le dernier jour, le jour numéro 24. Et c'est un blush iconique de chez MAC. C'est un de leurs blushs phares à joues dans la teinte Melba. Je n'ai jamais eu cette teinte. J'ai un seul blush de chez MAC et c'est vrai que c'est une couleur qui a l'air hyper naturelle, absolument magnifique. Donc je ne pense pas que je vais la swatcher tout de suite. Mais regardez-moi à quel point cette couleur est splendide. Je vais l'ouvrir. Déjà, j'adore le packaging de leur blush. Et hop. Regardez-moi cette couleur naturelle, un peu beige rosé, mais pas trop. Vraiment la couleur parfaite pour tous les jours. Ça rend un peu moins lumineux à la caméra. Ici, elle est un petit peu plus terracotta et c'est vraiment une couleur qui a l'air incroyable. Donc, j'ai vraiment hâte de la tester. Et un blush comme ceci, c'est vrai que ça coûte assez cher. Donc, c'est une très belle manière de terminer ce calendrier de l'Avent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce blush? Ce blush de pro se fixe délicatement sur la peau pour révéler une couleur naturelle qui reste fidèle tout au long de la journée. Exactement ce que je vous disais. Donc pour moi, c'est vraiment une réussite en tous les cas, ce calendrier de l'Avent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment très beau, surtout pour le prix. Il y a des marques vraiment de haut de gamme et des produits très innovants que je n'ai jamais testés et qui ont l'air super, super cool. Alors c'est vrai que d'avoir certains produits en double comme des gels nettoyants, des après-shampoings, etc. c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je trouve que pour le prix qui est quand même super abordable pour un calendrier de l'Avent, c'est tip top et Blissim à chaque fois nous régale avec leur calendrier. Il est vrai qu'il y a beaucoup de soins que j'aurais peut-être préféré avoir un petit peu plus de maquillage, mais Sarah Dia, un an, préférait avoir plus de soins. Donc le calendrier Blissim, ils essayent d'avoir un petit peu de tout, que ce soit accessoires, cheveux, maquillage, soins, et je trouve qu'ils font un très bon melting pot et ils nous proposent des produits de qualité. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à t'abonner. Laissez un pouce bleu et un commentaire pour soutenir ma chaîne, enfin notre chaîne.